Canary. Où ça? Chez moi au village. Chez toi au village. Comment tu es arrivé à prendre ça, t'as les maisons au village, dans Canary? Elle dormait puis elle pris. Hein? Elle dormait puis elle pris. Comment tu as pris ça? Quand elle dormait puis elle s'est dans la maison. Mmh. Et puis? Comment tu as fait? Elle dormait. Mmh. Et puis elle s'est rentrée dans la maison. Elle dormait, tu es rentrée dans la maison. Mmh. Mmh. Elle faisait orchestre. Oui, orchestra. On dirait Nes, elle gonflait. Ah! Qu'est-ce qu'il dit dans le sommeil? Hein? Et puis, il y a pris ma main. Voilà. Tu as fait quoi? Il y a pris ma main là comme ça. Tu as pris ta main, tu as fait quoi? Il y a pris ma main sous son ventre. Sous son ventre. Et tu as dit quoi? Il a dit qu'elle ne va pas faire enfant. Il ne faut pas faire enfant. Et pourquoi? Et puis tu as pris ça? Tu as pris ça? Tu as mis ça où? Au Canary. Dans le Canary. Et tu as fermé. Et tu fais quoi encore? Chiel. Tu fais l'amour avec elle, ton kiki là? Non. Tu n'as pas kiki? Tu n'as pas kiki de sorcellerie? Tu fais pas l'amour à ta maman? Hein? Hein? Comment tu fais l'amour à ta mère? Je tape mes cuisses. Viens ici, venez, vous deux. Oui, oui. Hein? Je tape mes cuisses. Tu fais quoi? Je tape mes cuisses. Mmh. Et puis tu fais quoi? Et puis mon kiki sort. Elle sort. C'est à quelle mesure? C'est petit ou c'est Gaïa? Ça arrive où? C'est Goro. Ça arrive où? Ici. C'est comme ça. Faut faire comment tu fais? Tu fais comment? Hein? Une seule fois. Hmm? Deux fois. Hein? En temps, elle ronfle. Hmm? Toi, tu viens. Et puis, tu fais quoi? Elle est couchée. Et toi, tu fais quoi? Et elle, comment elle est? Hein, il dit là c'est comme ça, c'est hôpital de sorciers. Je suis malade. Il dit là c'est comme ça, on marche avec vous. Vous les voyez, vous ne savez pas qui est qui. Vous venez vous parler ici là. Vous ne savez pas qui est qui ici. Hein? Quand vous venez ici là, chacun regarde dans son coin, vous dites Seigneur, délivre-moi. Tu viens faire causerie. Moi-même, mon problème. Hmm. Tu es venu ici là, il faut prier Dieu. Hmm? Tu tapes ta cuisse. Toi? Hmm? Ton kiki sort. Et puis tu. Tu couches à ta maman. Et là tu dors. Tu vois les maris d'Eli. Et tu fais quoi encore? Où t'as mis sa richesse? Parce que c'est une femme qui a l'argent. Elle a l'argent. Elle a l'argent. Dans le même Canary. Et tu as fait quoi? Il y a une dernière chose que tu dis, je t'aide. Oui. Ouais, je te force. Non. Mmh, ok, allons-y. J'ai mis ça dans le Canary. Oui, ça on a déjà compris. Ça richesse dans le Canary. Oui. Il a dit, elle va avancer.
Mais c'est ça, de la chance de la chose. Et caca, tu as mis ciel. Quand tu vois, ça fait rien. Pour parler, je t'écoute. Comment tu as fait? On se tait, s'il vous plaît. Comment tu as fait? T'as mis la ciel en oiseau. T'as mis la ciel en oiseau. Toi, il y a quelqu'un qui couche avec toi, qui te sodomise, en sorte que. Si, si. On va régler ça tout à l'heure, d'accord? Jésus va te délivrer. Et la même personne te fait aussi l'amour. Quand tu vas dormir, la personne se met au milieu de vous. Je vous dis tout à l'heure des choses. Amen. Jésus va vous délivrer. Amen. Cette nuit, j'ai trop parlé à Dieu. Comment ça se passe? Je me suis transformé en oiseau. Tu es transformé en oiseau, tu as fait quoi? Je suis ici. Mais explique. Sur son visage. Elle dormait, puis tu as mis caca sur son visage. Ouais. Il la regarde. Tu te fais tu t'as fait quoi? Ses parents n'ont qu'à la manger. Comment? Donc tu l'as récupéré. Il n'a pas encore pris. C'est un mot qui est en train de Si, il l'a pris. Il l'a la quête, sérieux. Est-ce que c'est stress, sérieux? Je n'aime pas les paroles, façon. Tu l'as? Oui. Et tu as fait quoi? Je l'ai donné, à ses parents. Il l'a donné à ses parents. Pour faire quoi? Pour la manger. À son mari, l'homme. Est-ce qu'on mange l'homme? On ne mange pas l'homme, mais nous les sorciers, on mange l'homme. Vous les sorciers, mangez l'homme. Comment vous arrivez à manger l'homme? Poisson, ton qui est doux là. Poulet même, on ne parle pas, c'est trop doux. Bœuf. Comment j'aime pas trop la tête des bœufs? Les bœufs, les porcs, j'aime pas tout ça. J'aime plus poisson. Et puis, je fais ce travail là. Je déteste trop le caillou et la chair humaine. Moi, c'est poisson, j'aime. Là, quand un enfant aime trop viande, Et les enfants, ils aiment viande. Tu mets poisson, non, 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 viens, viande. C'est un sorcier que tu as vu là. Et les enfants, ils n'aiment pas poisson, Tu as beau mettre poisson, ton merou qui est doux là. Lui, c'est viens, va chercher. Viens, viande. Tu es sorcier. Je te connais bien. Qui a un enfant comme ça? Remarquez, faites la remarque. Mais vous ne remarquez pas bien des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas trop attention. Sinon, ils sont là. Ils ne sont pas cachés. Mais comment vous faites tellement confiance aux enfants, aux truies? Vous ne donnez pas trop d'importance à certaines choses. Moi, quand je suis quelqu'un sur son comportement, je commence à étudier. Vous voyez le comportement des sorciers, je ne vais pas cacher. Un enfant têtu. Il est voyant des cabris. Têtu comme cabri. Il parle. Quand il parle, un lui parle cinq. Parce que la nuit, il te voit nu. Tu rompes, il te gifle. Et si ta poitrine, il va manger garba. Pendant que tu dors, il prend ta poitrine, il met table à manger. Il mange ça bien.
Comment va-t-il respecter? Tu parles là. Ah, parce qu'il dit, tu le moins peu. Le moins peu. Toi, tu le vois en fanfan. Il était frappé, hein. Ah. La nuit, c'est qu'il va te montrer. Toi, t'as fait boutard. Mais la nuit, il fait mal qu'il est tout. Il te frappe. Ma tête, c'était là. J'ai cherché parastamant, il n'y a pas lui. C'est ce que tu as fait, l'enfant, là. Il est venu faire pour lui, pour la nuit. Aujourd'hui, là, j'ai mal dormi. Il t'a, mon corps me fait mal. L'enfant t'a frappé pour lui. Quand tu es venu faire gifler, là, il est giflé, hein. Il est giflé, hein. Il dit rien. Et il garde rancune. Il est rancunier. La nuit, il fait pour lui. C'est qui tu m'as montré là, hein? Bah! Toi, tu vois ça, tu tournes. L'enfant en train de te chicoter. Amen. Faites délivrer vos enfants, sinon ils vont manger demain.